Non, si. Oh. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous... Ça commence mal. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo prescription lab. J'aime beaucoup tourner ces vidéos-là. Je sais pas, j'aime bien découvrir avec vous, j'aime bien cette box, j'aime bien les produits de beauté et tout ça. Donc voilà, tous les éléments sont réunis pour prendre plaisir à tourner cette vidéo. Je l'ai reçue hier, c'est la box du mois de novembre. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, je vais vous expliquer. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, je me dis que je vais être déçue par cette box. C'est pas très positif tout ça, vous allez me dire. Les deux dernières box ont été super, celle du mois de septembre et celle du mois d'octobre étaient topissimes. La box de décembre en général, Noël et tout ça, en général, elle est très bien. Donc les box qui sont entre deux, vous savez, le cul entre deux chaises, entre octobre et entre décembre, peut-être que s'il y a des petits produits moins bien que d'habitude, peut-être qu'ils l'ont mis dans cette box-là. Non mais on réfléchit, c'est cérébral d'ouvrir des box en vidéo. Je l'ai reçu hier, j'avais très envie de l'ouvrir. J'avais prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui. Vous avez vu le temps encore, il fait gris. J'ai pas reçu ma ring light. Et donc, bah écoutez, je fais avec les moyens du bord, mes parapluies, etc. Mais rien vu du tout passer sur les réseaux sociaux. Donc une box un peu framboise mélangée à de la vanille écrasée. Enfin, framboise écrasée mélangée avec de la vanille. Ça sent bon, j'ai l'impression. Le prescripteur. Alors, je sais pas pourquoi en ce moment, les prescripteurs, je les lis plus. Il y a personne. Il y a quelqu'un. Enfin, c'est une illustration, c'est pas une photo, ce qui est rare. Donc. Est-ce que c'est une illustratrice, un illustrateur qui a collaboré avec le prescripteur ce mois-ci? Je ne vais pas regarder, je regarderai après. Je le laisse ici. Ensuite, oh, un peigne. Un peigne. Alors ça, c'est vachement bien. Vous savez pourquoi c'est vachement bien? Parce qu'il m'en fallait un. Mais oui, il me fallait un peigne pour sous la douche. Quand je me lave les cheveux sous la douche, quand j'ai mis mon soin, etc. J'aime bien me démêler les cheveux. Le peigne que j'avais, c'était cassé. Et donc, ça tombe très très bien. En plus, il est plutôt joli. J'ai un problème de mise au point en ce moment. Il va falloir régler le truc. Hein. Je sais pas en quoi c'est, mais vous voyez qu'il est plutôt sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. La grandeur du peigne et tout ça, je trouve très bien. Avec des grandes dents. Non, très bien, je suis très contente. Ah oui, d'accord. Ah, il y a même le petit truc pour ranger son peigne. Ma Z. Je pense que je ne l'utiliserai pas parce que moi, mon peigne sera au bord de la baignoire dans l'eau. Donc ça, c'est foutu. En tout cas, si vous l'utilisez pour mettre dans votre trousse de beauté, sur votre meuble, sur votre coiffeuse, etc. Je trouve que c'est très très joli avec son petit étui. Sympa. Très bien. Parfait. Donc ça, c'est le produit Prescription Lab. Hein. C'est la marque Prescription Lab Beauty. Donc c'est vraiment la marque de la box. Parfois, on a des produits de beauté de Prescription Lab. Là, c'est un petit objet. Très bien. Hop. Validé. Alors, dans le petit pochon, nous allons voir. Oh là, il y a du monde quand même dans le petit pochon. Allez, je prends le truc, celui-là. Ah ben, un produit Prescription Lab, une brume parfumée pour les cheveux. À la fleur d'oranger. Ah, forcément, je vais être contente. Forcément, je vais aimer. Forcément. Brume pour les cheveux, brume de soin, parfumée, enveloppant la chevelure. Agitée, vaporisée sur cheveux secs, environ 20 cm. Allez, on y va. Oh là là. Ah, oh, ça sent le bébé. Ah, oh, ça sent bon. Ah, oh, ça sent le parfum. Ah, oh, c'est ça. Le parfum pour bébé que j'achetais pour mes filles quand elles étaient petites. C'était une petite bouteille en forme de petit ourson. Ça sent bon, le mustela ou un truc comme ça. Oh, j'adore. Bon, en même temps, fleur d'oranger, il n'y avait pas beaucoup de risques. Hein, mais ça sent bon. Oh là là, vous pouvez pas savoir comme je sens bon. Yes, la parfum, et vraiment, yes, oui, très très content. 99% de produits naturels, ça parfume et ça protège. Très contente. Validée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, encore un produit Dr. Oshka. J'étais mauvaise langue, hein, au début de la vidéo. J'avais dit ouais, gna gna gna, j'étais dans mon mode râleuse. Mais non, très très bien, une crème pour les mains de chez Dr. Oshka. Parfait, la dernière fois, on avait une huile pour les cheveux que j'adore. Je vous en ai parlé moult fois sur Instagram. Et là, la crème pour les mains, parfait. Un tube bien, 30 ml. Donc, on va l'essayer tout de suite. Hop, je vais l'ouvrir. Il faut que je détruise l'opercule. Alors, je vais enlever mes bagues parce que j'ai toujours peur
quand je mets la crème pour les mains. Oh, c'est une... Au niveau de la texture, ça fait un peu pommade pharmacie. Ouyouyouy, on s'est fait mal au genou, à la cheville, ou je sais pas quoi, on est tombé, on a eu une douleur musculaire. Ça fait un peu les pommades comme ça. Au niveau de la couleur aussi, je pense. Comme elle est un peu jaune, ça fait couleur d'entorse. Elle est fluide, elle est pas épaisse. Au niveau de l'odeur aussi, hein. De toute façon, les produits Dr. Oshka, c'est assez particulier au niveau de l'odeur. Ça fait pas une odeur gourmande, hein. Ça fait vraiment odeur de produits d'entorse. Elle nourrit peut-être très très bien les mains, hein. C'est le principal, vous allez me dire, mais ça fait odeur médicale, quoi. C'est pas que ça me dérange, un peu quand même. Tu te mets ça, il y a quelqu'un à côté qui va te demander, tu t'es fait mal où? Tu t'es cogné, tu t'es blessé, t'as mis du larnigel. Voilà, ça fait un peu ça. T'as Dr. Oshka en même temps, hein, on nous trompe pas dans le bazar. Docteur, voilà, médecin, docteur, pharmacie. Ensuite, alors il me reste deux trucs. Oh, trois. Ah, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, des petits galets. Alors ça, je connais. On en avait déjà eu dans une box Prescription Lab, je crois. Des petits galets comme ça à mettre dans de l'eau chaude pour faire des infusions, vous savez, quand on se met devant un gros truc d'eau chaude pour faire des soins pour la peau, pour dilater les pores et tout ça. Comment ça s'appelle? Je sais plus. En tout cas, c'est ça. Un sauna facial, c'est ça. C'est marqué dessus, en fait, un bain vapeur. Il suffit que je lise. Il suffit de lire, Delphine. Donc, c'est de chez Kerines. Je les ai déjà utilisés. Je peux vous dire que c'est topissime. Ça sent super bon. C'est hyper efficace parce que après, ça vous fait une peau, mais nette de chez nette. Alors là, il y a deux parfums différents. C'est le jaune, c'est Sicile. Le violet, c'est Finlande. Moi, je veux bien partir dans les deux destinations, sans problème. Celui-là sent bon. Hein. Le Sicile, là, mazette. La Finlande aussi. Alors vous voyez, c'est plus ces odeurs-là que j'aime bien, plutôt que l'odeur de pharmacie. Ça sent très très bon. Hein. Validé, très bien. Tu es, pour l'instant, même si les autres trucs sont nazes, très très bien. Hein. On continue avec un... Bon, ça c'est un échantillon, hein, mais... Mademoiselle Rochas Couture, un petit échantillonou, mais joli. Je sais qu'il y a des personnes qui font des collections de petites bouteilles de parfums comme ça. Et la bouteille est très jolie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve très très beau. Je connais pas en fait les parfums Rochas. La marque Rochas, pour moi, il y a un côté un peu vieillot. Alors là, c'est Mademoiselle Rochas. Alors c'est peut-être justement pour dépoussiérer un peu la marque. J'ai utilisé l'autre main. Et celui-là, c'est le docteur. Alors on va mettre Mademoiselle sur l'autre main. Ah non, mais je risque pas, il y a un petit bouchon. Mais cassine que je suis. Oula. Ah ouais, alors ça, je vais même pas le mettre sur ma main en fait. Non, pas pour moi. Ça, c'est pas du tout les parfums que j'aime bien. C'est beaucoup trop fort. Il y a trop de choses qui se mélangent dans mon nez là. Attendez. Ah non, c'est bizarre. Ça fait presque parfum d'homme, je trouve, plutôt que parfum Mademoiselle Rochas, non? Ou je sais pas, non, en fait, je sais pas. Il y a trop de choses, ça doit être ça. C'est parce qu'il y a trop de choses, trop d'éléments. On sait pas si ça fait homme, si ça fait femme, si ça fait fleuri, si ça fait épicé, si ça fait... On sait pas, en fait. Il y a trop de trucs. Le naso, il est complètement perdu. Il se dit, oh là là, là là là, le bordel. C'est typiquement pas le genre de parfum que j'aime, que je porterai, quoi. Clac, on le remet dans son petit boîtier. Tellement fort. Le docteur, je le sens plus, hein. Et dernier produit. Un produit de la marque Huygens. C'est toujours pareil, à chaque fois qu'on a cette marque-là, je sais jamais comment on le dit, Huygens, on va dire, c'est le lait pour le corps. J'aime beaucoup cette marque, à chaque fois, j'ai jamais été déçue. Alors, est-ce qu'il est ouvert ou pas? Là, j'ai le docteur, là, j'ai Mademoiselle Rochas. Où vais-je le mettre pour le sentir? De ce côté? Attendez. Oh, merde, zut. On va le faire comme ça. Ah, ben, dis donc. C'est la verveine. Ça sent la verveine? Bah c'est ça, c'est la verveine. Bah ça ressemble, c'est un peu docteur aussi, hein. C'est un senteur d'infirmière, d'un senteur de pour soigner le mal en fait. Alors, c'est pas que je déteste, hein. En lait pour le corps, je me vois pas sentir ça de mon corps, vous voyez? Ça sent pas mauvais, mais ça sent le médecin. Ça sent le médicament. Ou alors sur les jambes, loin du nez. C'est particulier. On va jeter un œil au prescripteur. En couverture, j'avais raison, c'est l'illustration d'une illustratrice, Constanza Gwepinger. Je ne sais pas qui c'est, j'ai jamais entendu parler. Elle fait ce style d'illustration. Je trouve ça très joli. Je vous montre un petit peu le style qu'elle fait. Au niveau de la brume pour les cheveux, il y avait deux parfums. Il y avait la fleur d'oranger et le monoï.
Bon, je pense que j'aurais aimé les deux. Hein. Monoï, je suis fan aussi. Fleur d'oranger, au moins là, je suis sourde d'aimer. 18 euros le prix de la brume. Le peigne, il est vendu 13 euros sur le site de Prescription Lab. En quoi il est le peigne? En acétate de cellulose. Est-ce que c'est pas pour dire plastique ça? Faudra que je regarde ce que ça veut dire. Ils ont raison, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu grand-mère, un petit peu Madeleine de Proust dans ce style de peigne. Ça fait un petit peu le peigne des années 40, 50, 60, 70, 80, 90. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Nos grand-mères avaient ce genre de peigne. J'aime beaucoup. Pour ce produit-là, on est à fond dans les huiles essentielles. Il y a du beurre de karité, de l'eau florale d'amamélis bio et de la glycérine végétale. Et le produit Dr. Ushka, adapté aux mains rêches et sèches. L'hiver va arriver, c'est vrai que j'ai pas forcément les mains rêches pendant l'hiver, mais j'ai les mains plus sèches que le reste de l'année, et je déteste ça. Vous savez, quand vous ouvrez vos mains en grand et qu'ici ça plisse un petit peu. C'est pas l'âge, c'est le froid, c'est la sécheresse de la peau qui fait ça. Je te vois déjà en train de commenter. Non. C'est vrai que c'est une sensation pas agréable du tout. Même si ça sent le docteur, j'ai pas dit mon docteur, ça sera pas quelque chose qui va m'empêcher de porter le produit. C'est sûr, ça s'est un peu évaporé, mais ça s'est calmé un peu l'odeur du médecin là. Mademoiselle Rochas, note épicée, avec du poivre rose, de la poire, de la bergamote, des fleurs blanches, du muscle, des fèves de tonka, du bois de santal. Oh, mais c'est beaucoup trop. Non, beaucoup trop celui-là. Les soins nutritifs pour les cheveux, tiens, ça, je vais regarder ça parce que si vous avez, là c'est un appel, je fais appel à vous, si vous avez le nom d'un masque pour les cheveux, vous avez un après-shampoing, enfin d'un masque, d'un traitement, d'un tout ce que vous voulez, qui viennent nourrir les cheveux, qui empêchent de faire des petits comme ça sur la tête, donnez-moi, dites-moi. Je sais pas si c'est l'hiver, je sais pas si c'est le cheveu qui est abîmé, mais j'ai des antennes comme ça, au-dessus de la tête, ça m'agace. Donc si vous avez le nom d'un truc bien nourrissant, vous vous dites, quand j'ai essayé ça, mes cheveux ont changé de tête, dites-le-moi. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Oui, j'ai été mauvaise langue. Oui, j'ai été négative. Oui, je l'ai pas senti sur ce coup-là. Cette box-là est très bien. Je valide tous les produits. Celui-là, je le valide pas, mais en même temps, c'est un échantillon, donc on va dire que ça fait pas partie des produits de la box. On a 3 produits full size pour moi, un peigne, et 2 petits trucs de sauna machin de chez Kérinès. Super, non, encore une fois, Prescription Lab, super box. Si vous connaissez certains produits de la box, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je le dis toujours, parce qu'en même temps, si c'est pas moi qui le dis, personne ne le dira pour moi. Vous pouvez le dire par contre. Abonnez-vous tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. Cette brume parfumée pour les cheveux, là, je m'en fous un petit coup. Oh, j'ai l'impression d'être un petit bébé. Là, c'est totale régression. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!